بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على التغطيه ديالكم ديال هذا الحدث ديال اليوم اللي كيتعلق بالدوره الثانيه ديال الصحه الجامعيه، وكيف كتشوفوا انه تمت هذه الورشه هذه بتوقيع اتفاقيه للتعامل مع بشراكه مع وزاره التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، واللي القصد ديالها هو نحاولوا نحاربوا مشاكل ديال الادمان اللي كتعرفها الجامعات، ونوفروا لهم واحد المناخ صحي للتطور ديالهم السليم، لانه انتم كتعرفوا ان ما كانش يعني المناخ ديال العمل ديالهم وديال الدراسه ديالهم جدي وصحي، لا من ناحيه الاكل لا من ناحيه يعني الاعتناء بالصحه الجسديه، ولكن كذلك الصحه النفسيه والعقليه ومحاربة وسائل ديال الإدمان. وانتم كتعرفوا بغينا نوصلوا لواحد المرحلة ديال أن جميع المؤسسات الجامعية تكون بدون تدخين، وهذا طموح كنطمحوا ليه، ولكن ليس هو يعني بمستحيل. ربما نقدروا من باب ديال التحسيس ومن باب ديال إن شاء الله المقاربة التشاركية مع الجامعة، وهذا بالدعم من المنظمة العالمية ديال الصحة والصندوق كذلك ديال الأمم المتحدة اللي كيدعم وغادي في هذا الطريق. وبدون بدون بدون صحة جامعية ما يمكنش يكونوا عندنا طلبة اللي هما في صحة جيدة وفي وكما كيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، وحنا هذوك الرجال ديال الغد إن شاء الله والبلاد معولة عليهم. شكرا لكم. دابور je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les deux ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et également le ministère de la Santé pour voilà, ce partenariat qui est exemplaire, parce que le capital humain qui est cher à nous tous et à Sa Majesté, que Dieu l'assiste, l'enjeu est de former des jeunes qui soient bien évidemment bien au fait de la science, des technologies, mais nous savons que pour avoir un capital humain capable de faire face à toutes ces transformations, à tous ces changements, la santé est un élément indispensable, et que les étudiants doivent être en bonne santé, le personnel des universités doit être en bonne santé sur tous les plans, et que tout le travail qu'on peut faire sur cet aspect va nous permettre d'avoir un capital humain capable de faire face à tous ces changements et ces transformations. Mais le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on continue encore à essayer de donner la possibilité à tous nos jeunes d'avoir une couverture médicale, qu'aujourd'hui, on est à peu près à la moitié de nos étudiants, et que nous allons, Inch'Allah, aller toucher tous les étudiants pour qu'ils soient tous couverts sur le plan sanitaire. Et que l'aspect qu'on a retenu cette année, qui est l'aspect de l'addiction, qui est un point aujourd'hui très important, et qu'on a vu qu'à la sortie du Covid et pendant le Covid, nous avons vu toutes les faiblesses qu'on pouvait avoir. Et ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet pour lequel il va falloir qu'on sensibilise nos jeunes, et puis qu'on puisse aussi leur donner la capacité de se soigner, parce que ce sont des points qui aujourd'hui sont devenus, dans toutes les nations, sont devenus des points sur lesquels voilà, toutes les sociétés doivent travailler. Encore une fois, un grand merci à tous les organisateurs, et puis ce partenariat qui est exemplaire. Vous avez vu que nous avons eu déjà d'autres partenariats, en particulier sur la réforme du métier de la santé et de la formation dans les métiers de la santé, et que nous allons continuer sur ce registre, parce que nous avons besoin, bien évidemment, d'avoir dans ce gouvernement, d'avoir des synergies, et en particulier dans ce domaine, où les besoins pour les prochaines années sont considérables. On a augmenté le nombre d'étudiants en médecine cette année de 20%, et on va doubler d'ici 2026, et que nous allons, Inch'Allah, d'ici 2030, dépasser toutes les normes qu'imposent l'OMS et les organisations internationales. Merci. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحباً بك.